9 janvier 2034, 14h. La Tesla autonome s'arrête devant les grilles imposantes de Phoebe, un Phoebe Way, à Palo Alto, une cinquantaine de kilomètres au sud de San Francisco. L'entreprise y dispose de 3 gigantesques campus abritant ses bureaux et son siège social. La dizaine de vigiles, présents dans un rayon de 5 mètres, jettent vers le véhicule un regard soupçonneux, sans toutefois s'avancer. La vitre se baisse et un bras muni d'une caméra de reconnaissance faciale pénètre dans la voiture. Celle-ci filme le passager sous 3 angles différents, puis inspecte le reste de l'habitacle avant de se retirer. 30 secondes plus tard, le portail s'ouvre sans un bruit, dans un mouvement parfaitement fluide, comme s'il glissait sur des coussins d'air. Pierre ne peut réprimer le frisson qui est en train de lui parcourir le dos. Il vient d'avoir 27 ans. Diplômé d'HEC et de son double cursus data avec Polytechnique, il a été courtisé très tôt par Phoebe, dès le début de sa spécialisation. Il faisait partie des 10 000 étudiants du programme Target the Best. Repérés chaque année dans le monde entier par le géant de la tech pour leur potentiel en gestion et analyse des données, sciences cognitives et communication. Un classement établi à partir de la compilation de milliers d'informations obtenues des établissements scolaires, qui ont tout intérêt à collaborer pour prouver l'excellence de leur formation et des réseaux sociaux. Sur la quinzaine de compétences clés recherchées en priorité par Phoebe, Pierre était arrivé dans les 10 premiers en analyse des données, également dans les 100 premiers en créativité et capacité collaborative, ce qui lui avait valu une cour assidue et ininterrompue de la multinationale depuis la sortie de son école. La Tesla avance maintenant dans l'allée principale du campus Est. À quelques mètres de l'entrée, malgré une température fraîche de 12 degrés, un jongleur en t-shirt fait tournoyer 4 quilles vertes dans l'air. 2 salariés juchés sur des rollers dépassent à toute allure la voiture. À gauche, un Figaro à casquette lève le rideau métallique de son échoppe et tourne sa pancarte Open sous l'inscription Barbershop gravée sur la vitrine. À droite, 2 mécanos s'agitent pour faire face à la file qui grossit à vue d'œil de ceux qui viennent déposer leur vélo pour une réparation. Tout a l'air étrangement paisible dans ce qui ressemble bien peu au quartier général de l'une des entreprises les plus puissantes du monde. 3 oligopoles. Phoebe, celui qui éclaire le monde. Chronos, celui qui maîtrise le temps. Atlas, celui qui porte le monde. Se partagent aujourd'hui une part croissante de l'économie occidentale. Ils sont nés des anciens géants du net et ont pris le nom, à la faveur de leurs opérations de regroupement, des premières divinités de la mythologie grecque, les titans. En 2034, leur capitalisation boursière cumulée dépassera pour la première fois le PIB des USA. Une situation impensable il y a 30 ans, alors qu'ils étaient à peine nés. Il faut dire que la crise du coronavirus de 2020 et ses différentes répliques les ont bien aidés. Les critiques sur leur modèle économique et l'utilisation qu'ils faisaient des données personnelles ont disparu au cours de la dernière décennie au profit de la nécessité de lutter efficacement contre la maladie. Sous la pression de leur population et face à l'incurie de leur système de santé, les États-Unis ont emboîté le pas à la Chine et à la Corée du Sud, traquant les malades et leurs contacts grâce aux images de vidéosurveillance, l'analyse des transactions de cartes bancaires ou les informations des téléphones. Les géants du net ont mis tous leurs moyens, et ils étaient considérables, à aider les gouvernements qui les sollicitaient à reprendre le contrôle de la situation. Comme en Asie, la méthode s'est révélée efficace, permettant une reprise plus rapide de l'économie, comparativement à certains pays européens qui se sont montrés plus réticents à de telles atteintes aux libertés individuelles. La toute-puissance de la donnée pour répondre aux problèmes humains a une nouvelle fois prouvé son efficacité. Un nouvel ordre mondial est né aux USA, et dans de nombreux autres pays occidentaux et asiatiques, le capitalisme de surveillance. La Tesla s'arrête devant l'un des nombreux bâtiments blancs du campus. Des passerelles bleues réunissant les étages de chaque bloc laissent deviner une intense circulation en hauteur. La porte de la voiture s'ouvre. Pierre descend, intimidé. Il se dirige vers l'immeuble devant lui. Un léger clic suivi du ronronnement d'une caméra lui rappelle que tout est filmé dans l'enceinte de son nouvel employeur. Un petit robot à l'accueil l'invite à rentrer. « Bienvenue pour votre première journée chez Phoebe, Pierre Favre. Nous ferons tout pour qu'elle vous soit la plus agréable possible. » Je vous invite pour le moment à me suivre à l'étage de la direction de la gestion des talents. » Le français est surpris par la voix étonnamment humaine de la machine. Ce phrasé, cette intonation, cette douceur lui rappellent confusément quelqu'un. Mais il n'a pas le temps de s'attarder sur cette pensée. Le robot l'a déjà précédé de plusieurs mètres, l'entraînant derrière lui dans les couloirs du bâtiment. La crise sanitaire du début des années 20 s'est rapidement transformée en crise profonde de l'économie réelle.
industrie, transport, commerce physique ont été plongés de longs mois dans le marasme. L'économie virtuelle en a profité, l'usage des réseaux sociaux, des messageries, des plateformes de contenu, du commerce en ligne a partout explosé. Les géants du net sont sortis plus forts que jamais de l'épreuve, plus proches du politique aussi. Obsédés par les succès économiques et technologiques de la Chine, dont la croissance est repartie rapidement après la crise, Washington et la Silicon Valley se sont unis pour sauver ce qui pouvait l'être de l'économie réelle. La deuxième partie des années 20 a été ainsi le théâtre d'opérations de fusion-acquisition gigantesques, menées par le secteur du numérique sur des entreprises ex-Hang de l'industrie, du commerce ou des services. Les deals étaient financés à crédit grâce à la politique monétaire ultra-accommodante de la Fed. Quand certaines voix s'élevaient pour s'insurger contre la menace que faisait peser de telles concentrations sur les libertés et sur la démocratie, des campagnes ciblées de communication rappelaient les bienfaits de ces regroupements pour l'économie et les consommateurs. N'avait-on pas sauvé de nombreux emplois? La croissance n'était-elle pas repartie? Et la bourse n'avait-elle pas repris sa course vers les sommets? La mise en place du revenu minimum pour les victimes de la crise, des millions de personnes dont on n'avait pas pu sauver le travail, largement subventionné par les trois oligopoles, avait achevé de faire taire les critiques. Les États-Unis s'enorgueillissaient d'avoir mis fin à la pauvreté grâce à un programme financé par le secteur privé. Conserver l'Amérique au sommet avait été le programme commun de Washington et de la Silicon Valley. Cette ambition de puissance est rappelée partout sur les murs du couloir que parcourt Pierre. Avancer vite et casser les codes. Faire l'histoire. Exiger l'excellence. Connecter les hommes et changer le monde. Réussir l'impossible. S'imposer ou disparaître. La philosophie de la maison est explicite. Le jeune homme l'a d'ailleurs expérimenté à ses dépens à sa sortie de l'école. Il a longtemps résisté aux sollicitations de recrutement de Phoebe et préféré se lancer comme producteur audiovisuel indépendant. Cependant, il s'est vite rendu compte que son projet, visant à promouvoir le cinéma d'animation pour adultes, n'avait pas sa place sur le marché actuel de la distribution. Les plateformes vidéo, salles de cinéma et chaînes de télévision sont maintenant toutes contrôlées par trois majors américaines, chacune détenue par l'un des titans. Celles-ci lui ont fait comprendre que ces films ne correspondaient pas aux attentes des consommateurs. Pierre a eu beau leur démontrer, analyse de données à l'appui, qu'il visait une catégorie de la population certes réduite, mais à fort pouvoir d'achat et potentiellement rentable. Les portes se sont toutes fermées. Alors qu'il sombrait, incapable de rembourser ses dettes, Phoebe est venue lui tendre une main secourable, acceptant finalement de distribuer ses deux premières productions, sous réserve de quelques modifications mineures, mais surtout de la promesse de son recrutement dans son unité Entertainment. Le géant lui a proposé un poste de Chief Data Analyst, consistant à participer à la conception de films et séries en apportant aux équipes créatives ses capacités d'analyse du comportement des consommateurs. La proposition salariale jugée indécente par la plupart de ses camarades de promo a entamé un peu plus sa résolution. La sentence de son père, HEC comme lui, et banquier en fin de carrière, a achevé de le convaincre. « Pierre, tu n'as plus rien à attendre de l'Europe. Nous sommes en train de couler ou de nous faire avaler par ces géants américains. Autant être du bon côté du manche. » Le jeune homme est encore perdu dans ses réflexions quand il arrive à ce qui tient lieu apparemment d'espace d'attente. Trois fauteuils y sont regroupés autour d'une table basse au milieu du couloir. Le petit robot lui propose de s'asseoir et précise de sa voix suave que Mrs. Parsons va le recevoir avant de s'éclipser. Dans la salle de réunion vitrée, en face du siège sur lequel il s'est installé, Pierre observe une femme d'une quarantaine d'années, blonde frisée, habillée d'un tailleur gris et maquillée avec soin, qui s'agite devant un homme de dos en jeans, baskets et chemise blanche. Elle est manifestement très énervée. Lui est affalé sur son fauteuil, les pieds sur la table qui le sépare de son interlocutrice. Elle multiplie les gestes d'agacement. Il ne bouge pas d'un iota. Elle pointe vers lui son index d'un air menaçant. Il reste impassible. Quand elle s'aperçoit soudain que Pierre est en train d'observer leur comportement au travers de la vitre, elle se calme instantanément, adresse quelques mots brefs à son vis-à-vis et se dirige vers la porte. « Pierre, quel plaisir de faire ta connaissance. Entre donc. Nous sommes heureux de t'accueillir chez Phoebe. » Si l'anglais ne permet pas de distinguer le tutoiement du vouvoiement, l'usage du prénom s'est imposé immédiatement. C'est comme cela chez Phoebe. On est cool. Je suis Nelly Parsons, manager à la gestion des talents. Et voici Tim O'Brien. Il est responsable du département information et tu as la chance qu'il soit ton mentor et qu'il suive avec moi ton intégration chez Phoebe. L'homme, qui doit bien faire 1m95 et peser un quintal, se lève. Il est toujours de dos. Il rentre lentement un pan de chemise dans son pantalon,
racle sa gorge deux fois, puis se tourne enfin vers Pierre. « Hé, rookie, pas de bol, t'es tombé sur moi. Tu ne pouvais pas trouver pire. Mon dernier rookie, il est encore en train de réfléchir au sens de la vie à l'hôpital psychiatrique de Palo Alto. 12 mois, ça m'a pris. Mais maintenant, il est à point. » O'Brien part dans un grand éclat de rire. Son visage est rude, son cou épais, sa poignée de main brutale. En dépit de l'apparence, il a pourtant un certain charme dans ses manières. Sa façon d'attirer le bras du jeune homme vers lui, de l'entourer de son corps massif, a quelque chose de rassurant, quasi paternel. Sa voix aussi est étrange, chaude, veloutée, presque distinguée. Elle est bien peu en correspondance avec le style du personnage. « Il m'en faudra plus, » rétorque Pierre en souriant. « Je sors d'un entraînement chez les Marines. » Le petit Français n'a pas l'intention de se laisser impressionner. On lui a appris au cours de ses années d'études le savoir-faire et le savoir-être. Il est temps d'utiliser cette dernière compétence. Jauger l'interlocuteur, deviner ses motivations, identifier ses faiblesses. O'Brien veut installer un rapport de force d'emblée tout en jouant les protecteurs. Il doit rétablir l'équilibre de la relation sans attendre. « Tu as raison de ne pas te laisser faire, » s'esclave Nelly Parsons. O'Brien est un gros ours, mais beaucoup plus tendre qu'il n'y paraît. Il est l'un de ceux qui connaissent le mieux Phoebe. Il y est entré à 20 ans comme développeur quand l'entreprise n'était encore qu'un petit réseau social dénombrant 500 millions d'utilisateurs. Steve lui a fait très vite toute confiance. Il a depuis grimpé tous les échelons jusqu'à occuper ce poste stratégique de l'information. Si tu le veux, tu progresseras vite avec lui. O'Brien s'est déjà retourné, fixant à travers la vitre des postes de travail inoccupés au bout du plateau. Il affecte un détachement ostensible. Pierre, nous allons procéder rapidement aux formalités d'entrée. Tu as déjà un espace privé sur le réseau où tu pourras trouver tout ce dont tu as besoin. Valeur de l'entreprise, règlement intérieur, procédures, documents administratifs, messagerie interne. Tu y accèdes par l'application que nous avons déjà téléchargée sur ton smartphone ou ta montre connectée. Les voici, ainsi que ton ordinateur et ton casque de stimulation transcrânienne. La Tesla, une fois notre entretien fini, t'emmènera jusqu'à ton appartement de fonction à Oak Village. C'est à moins de 20 minutes de vélo de ton poste de travail qui sera situé au campus sud. Pas besoin de clé, tout fonctionne par reconnaissance faciale, vocale ou biométrique. Ah oui, une dernière chose, tends-moi ton poignet. Pierre n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. Nelly vient de lui saisir fermement le bras et d'appliquer une sorte de tournevis à bourron au niveau de l'articulation radiocarpienne de sa main droite. Une légère douleur se fait ressentir, correspondant à ce qui lui semble être l'introduction d'un élément étranger dans son corps. Cette puce te permettra de rentrer partout, d'avoir accès gratuitement à toutes les boutiques de nos différents campus et de payer dans la plupart de celles de Palo Alto. Tu vas être heureux avec nous. Notre tâche est immense mais exaltante. Phoebe a été conçue pour accomplir une mission, rendre le monde meilleur en connectant les hommes. Nous sommes tous des soldats au service de ce projet. Steve est notre guide. Il nous montre la voie. D'ailleurs, viens l'écouter demain matin. Il réunit les salariés qui le souhaitent dans l'agora du bâtiment à côté pour ses vœux de début d'année. C'est également retransmis dans le monde entier sur notre application interne. O'Brien se met au garde à vous au son du mot « soldat », jetant un coup d'œil complice à son protégé sous le regard noir de la responsable des talents. Il est temps cependant de prendre congé. Le jeune homme rassemble rapidement les différents appareils qui lui ont été confiés. Chaque réunion est minutée chez Phoebe. La prise de contact avec un nouveau salarié et les formalités administratives ne doivent pas prendre plus de 15 minutes. Salut Rocky, on se retrouve demain à la grand-messe de Steve. En attendant, prends bien soin de toi. Ne prends pas froid. Tu m'as l'air fragile. Pierre se retrouve quelques minutes plus tard sur le perron du bâtiment. Le petit robot semble l'observer. La Tesla l'attend en bas des escaliers, porte ouverte pour le conduire à son appartement. Le temps s'est rafraîchi. Une légère brume semble même se lever, à moins qu'il ne s'agisse d'un nuage de particules fines. Un employé passe devant lui en skate sans le voir. Sinon, l'allée est vide. Les salariés préfèrent manifestement passer par les passerelles chauffées reliant chaque bloc en hauteur. Un sentiment de grande solitude l'envahit. Comment peut-on être aussi connecté et se sentir aussi seul ?